Salut tout le monde, ici StuWox, on continue le let's play sur Valheim. Ça va être un épisode assez tranquille. On va faire de la pêche, on va aller chercher du wood, du bois, on va aller chercher... on va faire fondre le fer. C'est à peu près tout ce qu'on va faire dans cet épisode. Donc si c'est quelque chose que vous êtes moins intéressé à voir puis que vous voulez plus voir d'action, vous pouvez skipper carrément cet épisode-là au complet. On n'ira pas dans les marécages. On va juste aller chercher du bois, on va pêcher. Si on trouve pas de poisson ici, je vais même retourner à l'autre bout, dans l'autre continent. Donc, ça va être vraiment relax. Pendant tout ce temps-là, on va faire fondre nos trucs. Puis, ça fait à peu près une semaine que j'ai pas joué, donc je vais être un peu perdu. Donc, on avait assez de saucisses. On avait-tu d'autres choses à... Parce que la marmite est à l'autre bout du monde. Hein. Faudrait peut-être faire de la bouffe aussi en même temps. Ou faire ça dans un autre épisode, parce que j'aimerais ça focusser sur ce que je viens de dire. Donc, je vais commencer tout simplement par la pêche. Est-ce que j'ai ma canne à pêche sur moi-même? Sur moi? Je pense qu'on l'avait laissé à l'autre bout du monde. Il y aurait des bonnes chances. Ouais, je pense qu'on va aller dans le portail. On va chercher des trucs. Ça va me prendre aussi des appâts pour pêcher. Je pense que je les avais laissés aussi là-bas. Donc, possiblement que tout ce qu'on a de besoin pour la pêche, c'est ici. J'aurais peut-être laissé ça dans le coin ici. Voilà, la canne à pêche. On va s'amener sans appât. Parce qu'on a beaucoup. On pourrait rester ici. On pourrait regarder ici s'il n'y a pas des poissons. Simplement. Tant qu'à être ici. Je vais remplacer ça par ça. Ok, des poissons. On va aller voir vers ce côté-là. Vous dire que tout ça, c'est de la prairie. Donc ça en fait du chemin, ce qu'on peut voir du poisson. On a peut-être besoin de d'autres ressources aussi. Je me souviens plus. Je vais rester dézoomé comme ça, on voit mieux... S'il y a du poisson au loin un peu. Malgré que... Ouais, on voit mieux l'ensemble de la chose. Ah, j'en vois ici. Je les voyais juste d'un angle. Quand même que je les vois un peu pour pêcher. Dum dum dum. Poissons se font rares. Ah, je pense qu'ici, ça pourrait être un bon spot, non? Je suis pas mal persuadé qu'on doit voir visuellement des poissons. Comme là, j'en ai vu un là. Si on n'en voit pas visuellement, ça veut dire qu'il n'y a juste aucun poisson. Je suis pas mal certain. Faut bouffer quand même. Pour avoir de l'énergie. J'aurais pu amener autre chose à bouffer par contre. Parce que ça, c'est un peu trop là. Du poisson, des saucisses et de la viande juste pour pêcher, c'est peut-être un peu trop. Je vois 2-3 poissons dans ce coin-ci, donc je vais tenter de... Je vais tenter de pêcher ici, en fait. Je vais tenter la chance. Allez, allez! Oh!
Il est passé juste à côté. Et en voilà un. Et il y en a un. Les autres suivent. Ça a donné deux poissons crus, nice. Ah oui, il y en avait pas mal ici, hein, ça va bien. Je pourrais m'approcher, tiens, comme ça. Hop. Deux autres. À coup de deux, j'aimerais ça tout le temps à coup de deux, comme ça. Là. Et voilà. Ben, ça va bien quand tu tires au bon endroit. Écoutez, pendant que je pêche, je vais vous parler de mes états d'âme ces temps-ci en tant que YouTuber. Parce que j'ai rien d'autre à dire à part de parler du poisson qui mord. écoutez, j'avais commencé YouTube en 2014. Je faisais toutes sortes de vidéos découvertes de jeux. J'avais pas de style de jeu. C'était à peu près tout ce qui m'attirait. Je l'essayais. Je faisais une vidéo. J'ai fait des gaming news. Je faisais des nouvelles sur le gaming. J'ai essayé comme deux concepts là-dessus. J'ai fait des vidéos plus travaillées. Je me suis mis à aimer beaucoup No Man's Sky. Et puis, j'ai eu une petite reconnaissance sur YouTube par rapport à ce jeu-là, parce que je l'aimais tellement, j'étais tellement passionné que j'amenais du contenu intéressant autour de ça, j'imagine. Parce que j'avais beaucoup plus de views que dans le passé. Oh my god, j'ai failli le prendre. Puis, finalement, j'ai été sur une autre plateforme qui s'appelait Twitch, puis j'ai carrément fait des streams live au lieu de faire du contenu YouTube, travailler et tout. Et puis, pour faire une histoire courte, là, je suis tombé malade, puis j'ai arrêté de faire du contenu pendant quelques années. À peu près entre 2017, 2018 et 2020. En tout cas, bref, c'était sporadique. Là. Je sais pas si c'est un bon mot, là, mais c'était vraiment espacé entre chaque stream, chaque vidéo. C'était du n'importe quoi, c'était pas constant. Puis récemment, j'ai recommencé ma chaîne YouTube. Puis j'ai décidé de focusser sur les jeux open world, action, exploration. Puis je trouve que c'est une bonne idée de focusser quand t'es sur YouTube. De faire une chaîne vraiment focus sur un sujet. Donc j'aime bien mon idée. Si je pourrais encore focusser encore plus, mais j'y ai pensé longtemps. Puis je veux pas focusser plus que ça. Faire des let's play sur des jeux open world action, c'est quand même assez focusé, je trouve. Je vais faire des coups d'œil, des essais de jeux vidéo aussi. Ça va être un peu plus rare comme vidéo, mais des fois, il y a des jeux qui m'intéressent. Je l'achète pour l'essayer. Ça fait une vidéo coup d'œil, découverte. Et puis, ça crée du contenu pour ma chaîne. Si j'aime pas le jeu, tout simplement, je me fais rembourser ou je passe à autre chose. Puis, si je l'aime vraiment beaucoup, puis que je veux le continuer, ben ça devient un let's play tout simplement. Donc le concept de ma chaîne, c'est tout simplement ça. Quand j'ai recommencé, depuis que j'ai recommencé, il y a quelques semaines, début 2021. Cet été, je vais être vraiment placé d'une certaine façon que je vais avoir un climatiseur pratiquement proche de mon bureau. Puis ça va être impossible de faire du contenu. Il va être pratiquement tout le temps fonctionner tout l'été parce qu'il fait extrêmement chaud ici. Puis pendant ce temps-là, je peux pas faire de contenu, je peux pas parler au microphone. Donc j'ai pensé peut-être à couper les let's play pendant l'été. C'est un peu dommage parce que j'étais bien parti là, j'aimais bien mon idée de la chaîne YouTube. C'est pas que je vais l'abandonner, c'est pas pour dire que je vais l'abandonner, mais je pense que pendant l'été, juin, juillet, août. En tout cas, pour les Français, j'espère que vous comprenez, parce qu'on prononce pas les mois de la même façon au Québec.
Mais pendant l'été, ces 3 mois-là, je pense que je vais arrêter de faire du contenu tout simplement. Puis j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, je pourrais jouer vraiment beaucoup au jeu que je suis en train de jouer ces temps-ci, à faire des let's play, que je suis en train de faire des let's play sur YouTube en ce moment. En ce moment, j'ai Valheim, puis j'ai un autre jeu qui s'appelle Red Dead Redemption 2. Donc, je pourrais vraiment, vraiment, vraiment passer des fins de semaine à les clencher, vraiment, là, les jouer beaucoup, puis jouer à 80 heures à Red Dead 2 et 50 heures à Valheim, puis carrément terminer Valheim et terminer Red Dead 2 dans le mois de mai. Et puis, céduler toutes ces vidéos-là à l'avance pendant tout l'été. Puis je pense qu'en revenant de l'été, il y en aurait encore. Puis c'est une bonne affaire parce que je pourrais commencer un autre jeu vidéo après l'été, pendant que mes autres vidéos continuent à sortir pour les anciens jeux. Donc ça ferait comme 3 let's play en même temps qui roulent. Donc je pourrais même en commencer 2 en même temps. En tout cas, ça en ferait 4 en même temps. Fait que c'est l'idée que j'ai eue ces temps-ci. Ça me permettrait de pas faire de contenu l'été, mais d'en sortir quand même parce qu'il a déjà été préparé à l'avance. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Le plus dur, ça va être juste de m'arrêter peut-être une fin de semaine. Puis, je pense qu'il n'y a plus de poisson ici, là, je vais aller ailleurs. De m'arrêter une fin de semaine, quelques fins de semaine dans le mois de mai. Et puis, vraiment jouer beaucoup au jeu que je suis en train de let's play. Ça va être peut-être un peu décourageant, là. Faire 10 heures par jour. Mettons, je fais 10 heures un samedi, 10 heures un dimanche. Ça fait. S'il y a, mettons, on dit qu'il y a 4 fins de semaine dans un mois, ça pourrait faire 80 heures de gameplay quand même. Je pense que j'en aurais assez pour finir au moins Red Dead Redemption, j'imagine. Finir Valheim, c'est dur à dire, hein? C'est un jeu pas de fin. Pour l'instant, la fin, entre guillemets, c'est tuer le cinquième boss, dans un sens, mais. Mais après ça, tu peux quand même continuer à jouer. Tu peux te construire une base gigantesque si tu veux. Mais il n'y a comme pas de raison de le faire. Vraiment, ça devient un sandbox sans raison. Donc, très dur à estimer combien de temps qu'il me reste pour Valheim. Je sais que le troisième boss s'en vient bientôt. Je vous dirais. Tu sais, le troisième boss, là, aussitôt qu'on a fondu notre fer et crafté toutes nos affaires en fer, on s'en va direct au boss, puis on le tue, puis on est rendu dans le grind du quatrième boss, en fait, déjà, là. Je vois pas d'autres poissons vraiment depuis tantôt. En tout cas, une place où il y en a beaucoup, comme on vient d'avoir. Bref. Vous avez compris un peu mes plans pour cet été, mes états d'âme autour de ma chaîne et tout ça. Je vais prendre des champignons. Peut-être manger ça au lieu de la viande pour pêcher. Hop. Commence à pleuvoir. Pas le fun. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le plan que je vais faire. Je vais me donner une grosse go, là, puis je vais tout enregistrer, peut-être. Pendant l'été, ça me prendra environ 100 épisodes, je pense, d'enregistrer à l'avance. De Valheim et de Red Dead 2 mixés ensemble, là. Donc, 100 épisodes, c'est beaucoup, là. 100 épisodes d'une demi-heure environ. Mais au bout du compte, quand on regarde ça fait juste 50 heures. De gameplay. Dans un sens. Fait que j'ai pas le temps de finir Red Dead et Valheim, là. Donc. Mais. Le problème dans ça, là. Écoutez. Si je fais ça, puis j'enregistre pas pendant l'été. Puis que je finis pas Valheim et Red Dead 2. Le problème, c'est que je vais arriver après l'été. Et puis. Je vais être tout perdu dans Red Dead 2. Je vais être tout perdu dans Valheim. Ça aura juste pas de sens.
Donc, c'est pas juste 50 heures, faudrait que j'enregistre pendant le mois de mai. Faudrait que je finisse les jeux que j'ai commencé à let's play, en fait. Hop. Hop. Ah, que de questionnements. On va manger les petits champignons ici. Tout ça parce que ça me tente pas de faire du contenu cet été. Il fait trop chaud. Je veux profiter du dehors, surtout avec le confinement qu'on vient d'avoir depuis un an et plus. J'ai le goût d'être dehors. J'ai le goût d'être sur mon terrain. Enfin, j'ai un terrain en arrière de chez moi. J'ai le goût de prendre de l'air, du soleil, prendre des marches, aller faire des expéditions dans le bois. Vraiment, j'ai vraiment le goût d'en profiter cet été. Ce serait bien, au lieu de rester enfermé puis faire des let's play. C'est sûr que, soyons francs, il y a pratiquement personne qui m'écoute en ce moment parce que je débute. Peut-être que même ça décollera jamais, cette idée-là, là, sur YouTube, mais... c'est une passion, je le ferai même avec zéro personne. Je le ferai quand même. Je pense qu'on va avoir du poisson bientôt parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. En tout cas, on va avoir de la viande de Nyx. Un petit peu. Quand il pleut comme ça, c'est dur de voir s'il y a du poisson par contre. Je pense que j'en ai vu un ici. Il y en a peut-être plus que un. Oups, j'ai tiré trop vite, je pense. Oh, y a-tu essayé de mordre? Ah, mais oui. Déjà. On est rendu à combien de poissons, là? Il doit en avoir au moins une dizaine. Est-ce qu'il y a d'autres poissons? Oh, on a 16 quand même. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'en ai juste vu un, par contre. Il y en a un autre. Je les vois même pas, là. Peut-être qu'il y en a 10 autres, peut-être qu'il y en a 0. Je viens d'en voir un passer devant moi. Et je tirerai pas loin. Peut-être qu'il y en a d'autres. J'ai peut-être pas tiré assez loin. Hop! À chaque fois que j'ai un doute, ça mord. Hop! Donc voilà, j'ai tout raconté mes états d'âme pour la chaîne. Qu'est-ce qui va peut-être s'en venir? Si tout va bien, dans le meilleur des cas, vous n'allez pas ressentir que j'ai délaissé YouTube. Il va continuer à avoir des vidéos qui sont cédulées 3 mois à l'avance, 4 mois même. Ça c'est le meilleur des mondes. Dans le pire des mondes, je vais tout simplement prendre une pause. Cet été, j'aurais pas enregistré, j'aurais pas eu le goût ou le temps d'enregistrer mes épisodes à l'avance, pour les céduler à l'avance sur YouTube. Et puis, je vais être tout perdu dans mes jeux vidéo quand je vais revenir après l'été, je sais pas. Ça, c'est dans le pire des scénarios, que j'espère pas. Je pense qu'au moins faire une 50 heures de gaming dans le mois de mai, c'est quand même respectable. Là. C'est faisable, c'est plus ça que je voulais dire, là. Respectable, ça c'est une autre chose là. C'est rare qu'on respecte quelqu'un parce qu'il a joué 50 heures dans un mois, mais
C'est, ça serait faisable. Tu sais, c'est environ une douzaine d'heures par fin de semaine. Mettons 6 heures le samedi, 6 heures le dimanche. C'est faisable. Ou j'éparpille ça le soir, 2 heures par soir, à peu près, je sais pas. C'est faisable. J'ai juste à le faire. Puis je pense que je serais content d'avoir du contenu à proposer tout l'été pendant que moi je me fais complètement bronzé. Puis que je regarde même pas la chaîne YouTube, je regarde même pas les stats, rien. Je vais activer la notification des commentaires, par contre. Si vous me répondez, si vous m'écrivez quelque chose qui fait du sens, ça se peut que je réponde ou que je fais juste un petit like. Je pense qu'il n'y a plus de poisson ici, là. Alors, il en reste peut-être un proche à côté de moi, mais il veut-tu mordre? Es-tu buggé? Je pense qu'il est buggé. On est trop proche, hein? Ouais, on est trop proche. On va leur tirer. Voilà. Allez. Je pense qu'il commence à faire nuit. Ça va être le dernier, on va aller dormir. On va se faire vraiment achaler par les monstres la nuit qui peuvent apparaître. Hop. Là, on a quand même 20 poissons. J'ai un stack de 20. Plus 1. 21 poissons. Nice. Nice, nice, nice. Plus du Nyx. 17 que Nyx. Wow. On est-tu loin de la base quand même, quand même? On s'est promené pas mal. Tiens, les v'là. Pourquoi ils sont plus solides que d'habitude? Courir, ça me tente pas vraiment. Ben, je vais manger tiens, la fraise qui est ici. J'aurais même pas besoin de l'autre là. En fait, on la mangera pratiquement jamais. Tom, 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 tom. On va aller vers là en fait. Hello! Faire attention, je voudrais pas mourir d'un petit nain gris ordinaire comme ça. Ils sont vraiment partout, hein. Je vous le disais, la nuit, là, c'est juste déplaisant. Tom, 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 tom. En revenant sur le sujet de mon contenu, qui est enregistré à l'avance. En ce moment, j'enregistre mes épisodes environ une semaine à l'avance. Donc, je vais passer, exemple, je vais passer un samedi, par exemple, à jouer pendant 4 heures à Valheim, par exemple. Ça va me donner 8 heures. Ça va me donner, voyons, 8 épisodes de 30 minutes. Que je peux poster sur 8 jours. Et là, vu que j'ai deux let's play, ça m'aide parce que c'est une après l'autre. Donc, c'est Red Dead 2, Valheim, Red Dead 2, Valheim. Donc, un jour après l'autre. Donc, enregistrer 4 heures de Valheim, ça me donne du contenu pour Valheim cédulé pour 16 jours. Donc, ça va bien. Mais il faut que je joue à Red Dead 2 pour mettre d'autres épisodes entre les jours, là. Donc, bref, j'enregistre à peu près des épisodes là, pour une semaine de buffer, on va dire, qui sont toutes cédulées à l'avance. Je trouve ça vraiment cool parce que j'étais stressé dans mes premières années YouTube. J'avais tenté de faire des let's play sur des jeux
C'était moins officiel là, que c'était un let's play, mais je jouais un jeu, puis je sortais des épisodes. Puis on dirait que je voulais tout sortir en même temps. Et même à un moment donné, j'ai sorti genre 20 épisodes de BioShock sur ma chaîne. BioShock Infinite ou je sais pas trop quoi. Puis là, j'ai reçu des messages. Tu postes rien pendant 2 semaines, puis tu nous shoots 20 vidéos. What the fuck? C'était vraiment drôle. Mais bref. Je suis moins stressé là-dessus. Au lieu de sortir 20 épisodes quand ils sont prêts, ben, je préfère les étaler sur 20 jours. Comme ça fait un épisode par jour. Il n'y a personne qui m'aime assez pour écouter mon contenu. Pour écouter mon contenu 20 fois par jour. Je veux dire, 20 vidéos de moi par jour. Il n'y a personne qui va faire ça. Là. Personne. Donc, une par jour, ben, ça m'aide un peu plus. Les gens, un petit 30 minutes. Un petit 30 minutes, tu sais, à chaque jour, c'est moins pire. Bref, avec le poisson qu'on vient de ramasser, on va se faire tout simplement du poisson fumé. On va aller, on va dormir. Ça fait pratiquement 26 minutes qu'on joue, donc c'est pas mal vers la fin de l'épisode. On va tout simplement faire cuire notre viande. Peut-être faire un petit épisode un peu plus long pour aller chercher du bois aussi. J'ai plus de feu. J'ai plus de bois. Ah ben on va y aller tout de suite, hein, I guess. Par là. On va prendre notre hache. On se met de l'énergie. Tiens, on n'a pas peur de manger. On va aller. On n'a pas trop déforesté la place. C'est bien. J'aurais pu amener la charrette à me ramener beaucoup de bois. Mais on en a juste besoin pour faire du charbon et puis à mettre dans les feux pour faire cuire certains aliments. On va ramasser en masse là. On a 3 stacks. 1, 2, 3 qu'on peut se faire. 4 avec lui. On va les remplir. 200 de bois. Je pense que ça va être en masse. Si on peut le transporter, oui, je pense. Pour la pesanteur, ça va le faire. On va remplacer la fraise par la saucisse, voilà. Ouch! J'aurais dû... non, j'avais pas de charbon, j'avais pas de bois. J'allais dire, on aurait dû commencer à faire fondre... du fer avant de tout faire ça. Ça aurait fondu pendant qu'on fait autre chose, mais faut vraiment du charbon. Beaucoup de charbon. Hop. Coupe un peu les arbres random. Oh, il était déjà magané. Lui aussi sûrement. Il est rendu à combien là? Ça, on n'a pas besoin de ça. Ça non plus. On aurait presque 2 stacks. Je commence
Pour être franc, là, je commence à me trouver seul dans Valheim. J'aurais comme envie... Ce jeu-là avec des amis est vraiment, mais vraiment... Vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment drôle. Vraiment le fun avec des amis. Parce que moi, j'ai joué avec des amis jusqu'au troisième boss. On a battu le troisième boss. Et puis, on a tout été un peu démotivés, découragés en même temps. On a tout lâché un peu. On avait comme pas le goût de reprendre vraiment. Donc, j'ai décidé de plus tard de me redémarrer un let's play en solo. Pourquoi je peux plus rien prendre? Ah, je suis plein côté poids. Ah, ça m'étonne. Ok. I will accept it. Bon, ils m'en veulent tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste démoli votre forêt. Je peux s'en prendre un autre? Même pas un autre. Qu'est-ce que je disais? Je parlais encore de ma chaîne, je pense. Bref. Je me trouve un peu seul dans Valheim, c'est de ça que je parlais. Bref. Mais je me suis dédié à un let's play en solo, donc on va continuer en solo. C'est quand même cool de penser que je vais tout battre les boss en solo aussi. Là. C'est un mini défi là, qui est vraiment cool. Pas tout le monde qui pourrait faire ça, je pense. Pour tout rapidement, je rush le jeu un peu là. Ah, je veux pas mettre autant de bois. Pourquoi je n'ai mis autant? Tiens, c'est assez. Oh god. Mon inventaire est plein. Fait que je peux pas ramasser le poisson. Il va tout brûler. Je rush le jeu, mais je le rush pas tant que ça. Là. Je le rusherai pour de vrai, mais je l'aurais déjà terminé. On aurait été se battre dans notre habit de troll avec le troisième boss. C'est ça qui serait arrivé. Tout cuire en même temps à un moment donné là. Yep. Comme ça. Je pense qu'il nous en reste plus. Oh, il nous en reste. Okay, je pense que c'était les derniers. Est-ce qu'il y a le poisson cuit? Ah, il est allé stacker avec ça. Ok. Good. Voilà, on a tout cuit nos poissons. Avec 25 poissons, là, on pourrait. Je pense qu'on va en avoir assez jusqu'à battre le boss, le troisième boss. Ça manque pas gros avant de battre le troisième boss. Mettre du feu ici. Endurance. Résistance au poison. Ça, faut s'en faire. Donc, je vais regarder pour en faire. Chardon. Ça en fait combien? Ça en fait juste une. Pas vrai. 10 miel. J'ai pas de chardon. J'ai pas 10 miel. On est rendu à 6. On aurait peut-être 10 en allant chercher ceux-là d'aujourd'hui. On en donne juste 3. Bon, on a 9. Rip. J'ai entendu un cochon naître.
pense qu'ils ont faim, hein. Oh, ils ont plus... Ils ont plus de fraises, les amis. Mais je vais toutes les tuer. Ça sert à rien. L'élevage de sangliers, là, c'est trop long. Je le fais pas de la bonne façon. Bref, j'aime pas trop ça. Donc, carnage. Carnage. Même pas de shield. Bon carnage. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À peu près 11, 12 viandes. On va les laisser là. On va les laisser là. On va aller chercher des fraises. Il m'en reste-tu? On va les voir. Bon, là on va mettre de la viande ici. Hop. Hop. Peut-être qu'ils mangent ça, mais j'en ai besoin. C'est tellement rare des myrtilles. On va aller chercher des fraises. Je pense qu'ils mangent d'autres choses, mais je m'en souviens juste plus. Je m'en souviens juste plus. Des fraises, il y en a partout. T'es. Je sais qu'il y en avait proche d'ici. Il semble qu'il y en avait plus que ça. On n'est pas peureux tout à coup. Non, j'en vois pas d'autres fraises proches. Proche. Va-tu falloir passer un épisode juste à farmer des fraises? Pour ça, j'ai le goût de tuer les sangliers. Parce qu'il faut que je m'en occupe pour qu'ils donnent pas grand-chose, en fait. Comprenez? Le temps que je vais chercher des fraises pour toutes les nourrir, parce que là, j'ai pas assez de fraises, mais je vais quand même revenir, là. Mais le temps que je cueille assez de... C'est des framboises ou des fraises? J'oublie tout le temps. C'est des framboises. Le temps que je cueille assez de framboises... J'aurai le temps de chasser des cerfs et de ramasser beaucoup de viande. Donc, pour moi, c'est une perte de temps de les nourrir. Bref. Là, ils vont tous se jeter là-dessus. Parce qu'il en restait plus. Mais faites un petit bébé, vous autres. Ah non, ça va être disparu. Dans pas long. Je vais régler le dossier puis je vais toutes les tuer. C'est ça qui va arriver. Je vais les laisser là. Au pire, ils vont crever de faim. Je sais pas trop pour l'instant. On va avoir assez de bois pour se faire du charbon. Bref, on n'a pas assez de miel pour se faire des potions anti-poison. Qu'est-ce qu'on voulait se faire d'autre? La saucisse. Les entrailles, on en a en quantité industrielle. La saucisse, on en a déjà en quantité industrielle. Donc, je vais pas mal arrêter ça là. Il y a des affaires qu'il va falloir que je transforme ici. Des genres de potions, je sais pas trop. Notre but, là, ça va être d'aller tout simplement faire du charbon et puis faire fondre... Par fondre le fer à l'autre bout. Donc c'est ça qu'on va aller faire. On va se préparer pour aller là. Et on va terminer l'épisode ici. Dans le prochain épisode, on va faire fondre des trucs. Du fer. Pour se faire éventuellement toutes les armures. On va continuer... je pense qu'on va pouvoir continuer à explorer le marécage. Et puis... qu'est-ce qui se passe? Oh my god, quand ce jeu-là sauvegarde, ça me fait paranoïer à chaque fois.
Oui, on va aller explorer les marécages un peu plus. Notre but, c'est de trouver le boss. On a assez de fer pour l'instant. Ça ne donne rien d'aller dans une crypte, même si on voit une crypte. On va essayer de trouver le boss. Malgré que on doit aller dans une crypte pour trouver une pierre, je crois, qui nous pointe vers le troisième boss. Mais peut-être qu'on va le trouver naturellement, le troisième boss, je sais pas. Donc on va aller s'explorer des on va aller s'aventurer dans les marécages pour explorer. Pendant ce temps-là, on va faire fondre du fer ici et tout. Ça va être pas mal ça pour le prochain épisode, les amis. Donc on se laisse là-dessus. On se revoit dans le prochain épisode. Bye bye!